Alors aujourd'hui, on a souhaité faire un retour de la lutte contre Ebola, de faire un bilan, de faire une évaluation de nos actions. De faire cette évaluation, bien sûr, avec tous les partenaires français, puisque je rappelle que plus de 600 Français se sont rendus en Guinée et ont lutté contre le virus Ebola, et souvent d'ailleurs en mettant leur vie en péril. Ces gens sont ici aujourd'hui pour faire un bilan de leur action, mais avec nos partenaires européens, avec nos partenaires internationaux, parce qu'il est important qu'on puisse faire ce bilan à tous les étages. Il y a l'action de la France en bilatéral avec son pays, son partenaire et pays ami, la Guinée, mais il y a aussi un travail coordonné avec l'Union européenne, d'où la présence du commissaire aujourd'hui, mais aussi les Nations unies, d'où la présence également du coordonnateur Ebola des Nations unies. Alors, il faut être très honnête, il y a eu des points très positifs, notamment sur la mobilisation, la solidarité, l'action de la France, les dossiers que nous avons portés, notamment à l'Union européenne. Je pense au système d'évacuation sanitaire des soignants. Je pense aussi à l'idée, à un moment donné, d'avoir une vraie réserve qui soit européenne et qui puisse intervenir. Il y a aussi plusieurs points négatifs. Et le premier, c'est le temps de réaction que la communauté internationale a eu pour agir. Et on se rappelle bien que c'est après une alerte forte de Médecins sans frontières que la communauté s'est mobilisée. Et donc, il nous faut travailler avec l'Organisation mondiale de la santé pour que ce genre de choses n'arrive plus, qu'on soit beaucoup plus réactif. On a vu qu'il fallait intervenir dans l'urgence et que pour cela, il fallait malgré tout avoir davantage de préparation. Et c'est ce que nous voulons pour les prochaines fois. Nous savons pertinemment que d'autres virus nous toucheront un continent, voire d'ailleurs l'ensemble de la planète. Et nous devons être davantage prêts, la France en tant que pays, mais avec l'ensemble de ses partenaires.